Strasbourg, mettons un coffre dans le coffre. Ah, super vortex. Merci Strasbourg, c'était cool. Bah, vortex. A plus pour de nouvelles aventures. Bon bah du coup on est à la Ideal Frip de Haguenau, que vous voyez pas, qui est hors champ. Et maintenant on a des super déguises. Et on a Monsieur Radi. Typiquement pouet, pouet. Alsacien. Et des shorts de bain. Pouet pouet. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol les enfants. Mesdames et messieurs, je vous présente la piste de donuts de Intersport à Haguenau. Ah, je me suis niqué les deux chevilles parce que c'est super douloureux de faire ça. Ici c'est la France, là c'est l'Allemagne. On va partir bientôt. C'est un petit pas pour nous, mais c'est un grand pas pour la Fahrenheit. Oh, oui. Voilà. Allez, le minibus est de l'autre côté, à la frontière. Ah, merde, on va repasser dans l'autre. Ils sont tous ici. Et elle apprend le français. Wir sind alle hier. Ils sont tous ici. Sie sind alle hier. Ils sont tous ici. Sie sind alle hier. Leçon numéro 2. 2. Alors, pour les 2. 2. 2. 2. 2. La famille. La famille. 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 Bonjour, nous sommes actuellement chez Katharina Schroeder et ses amis. Voilà. Pour moi, c'était quelque chose. Alors on est au Burschenschaft Regia, où ils sont 14 à vivre ici. Mais pourquoi on est là? Ah ouais, on fait un concert et on va récolter des sous, 5 euros l'entrée, prix non libre. Et on vend des t-shirts, je pense qu'on en a vendu environ, enfin, je sais pas, j'ai vu personne en prendre, du coup j'irais zéro. Et bah 2-3 près quoi. On est là pour visiter une maison. C'est juste que c'est bizarre parce que la maison elle est pas sur le sol, c'est une maison volante. Un peu cool. Mais volante. Ah, c'est pour ça qu'elle est dans les airs, parce que c'est une maison volante. On voulait aller à Darmstadt et on est arrivé ici. Je pense qu'on s'est trompé parce qu'il y a des trucs bizarres pour y faire des maisons. Voilà, on est perdu. Perdu. J'ai bien mélangé parce que toute la liqueur est arrivée d'un coup. C'est cacao. Hein? C'est cacao. Samedi matin, Darmstadt. On s'est fait une petite manche, mais bon, au final, il se trouve qu'on a un drone à disposition. Donc. Also, wo sind wir? Wir sind beim Felsenmeer in der Nähe von Darmstadt. Und werden jetzt hier auf diesem wunderschönen Gelände den nächsten Film für euch drehen. Vom Boden, von der Luft, mit und ohne Musik. Okay. Et la traduction en français, on est chez le Felsenmeer, ça veut dire le mer des rochers, à côté de Darmstadt. Et on va monter là-bas. Tu commences à filmer? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les plans pour aujourd'hui? Mais pourquoi je te le dirais si tu filmes pas?
ça sert à rien. Pour moi, parce que je suis au courant. Bon, bah aujourd'hui, dimanche, Darmstadt. Hein, toujours au même endroit que les plusieurs autres jours. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on va jouer à la Luisenplatz. À 14h, pile. Pétant. Et il est 14h moins 2, on a 10 minutes de marche. Comment faisons-nous? On a 10 minutes de marche? Oui, oui. 10 minutes de marche. Bonjour, il est 8h17, c'est la Fahrenheit au départ de Darmstadt et en direction de Leipzig. Nous partons à 8h précise. 8h17. Il est 8h17, nous partons à 8h. Et nous aurons sur la route quelques arrêts exceptionnels, ainsi que quelques invités non moins exceptionnels. Comment ça va, monsieur Chouf? Bah, m'a volé mon téléphone. Je soupçonne fortement Chic Chic. Et je l'ai fouillé de la tête aux pieds et impossible de trouver. Ouais, ça s'est dit réglé l'histoire? Oui, bon, c'était ton Caraville, le petit rigolo, qui m'a volé mon téléphone. On est à Leipzig, on est dans un... Je pourrais pas trop dire comment appeler ça, j'ai pas le nom exact, mais on est grosso modo dans un endroit où les gens habitent dans leur caravane, dans leur mobilhome, dans leur roulotte, et voilà, ils vivent là, et je crois qu'ils se battent pour garder le terrain, et c'est un peu un squat, c'est assez sympa. Voilà, il y a du monde et tout, ça va être une soupe populaire ce soir, on va jouer avec un autre groupe et puis ce que je peux dire de plus, les gens sont sympas, tout est fait main, ils ont quelques panneaux solaires, voilà, ils s'entraident, il y a des gens qui sont là de façon permanente et d'autres qui sont de passage, voilà, ils aident des gens dans le besoin et tout, c'est formidable. Tu peux nous expliquer ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on fait là et tout? On est à Leipzig, on fait une petite manche qui marche trop bien, c'est cool, on a fait deux sets. Le dernier morceau, on a joué Sweet Dreams. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah d'un coup, il y a un splash, un bol éclat par terre, nous avons fait une omelette. Bon, il y a quelques pavés dans l'omelette, c'est dommage, mais... C'est une personne très gentille, mais elle a pas fait attention à l'œuf, il s'est cassé, c'est dommage. Elle a lâché d'un peu trop, genre quelques mètres, je pense. Ouais. Voilà, on aurait bien pu manger, mais bon, on mangera pas ce soir, dommage. Alors que, en revanche, qu'est-ce qu'on a reçu dans la boîte? Alors, on a reçu un petit papillon. Waouh. Merci. C'est toi qui as le truc pour mettre la tue. Alors, paraît-il, on s'approche d'un rond-point, ce qui est assez historique puisque nous sommes en Allemagne et que, visiblement, ils ne connaissent pas cette technologie française. Regardez, un rond-point, croyez-le ou non. Et voilà, tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on fait? Eh ben, du coup, on est arrivé à Berlin tout à l'heure et là, on vient d'arriver dans notre couchsurfing qui a l'air très cool et ce soir, on va manger avec des invités. Et voilà. Ok. C'est très sympa. Bah ouais. On est dans le sud de Berlin. Là. Il fait pas hyper beau, mais pas hyper moche. Un peu gris, ouais. Ouais. Mais bon, c'est la première fois du voyage un peu, donc c'est pas trop grave. Ouais. Tant qu'il fait beau ce week-end. Ça, on pourra jouer peut-être au soleil. Ouais. En tout cas, l'appart est plutôt joli. Ouais, sympa. Très sympa. Vachement présentable. Il y a deux pièces comme ça, on dirait deux salons avec un sofa d'angle. Magnifique. Ouais. Je pense que ça va être cool. Et il n'y a plus de batterie. Et les autres, ils sont où? Les autres, ils sont pas là. Voilà. Non, mais en fait, on n'est que trois à dormir ici. Et du coup, les autres, les cinq autres, plus Noah, du coup, ils sont dans une auberge de jeunesse. Ok. Voilà, qui on a Noah réservé. On a dit à la caméra qui était Noah. Noah, c'est un pote de Tchik-Tchik qu'on a récupéré à Darmstadt il y a quelques jours et qui est venu à Leipzig jusqu'ici. Et
Bah, bon, après, il continuera pas avec nous. Il n'est que jusqu'à Berlin. Ok. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ah ouais? Oh, je le trouve! Bonjour, nous nous rendons à, j'ai oublié le nom, Geschenkirche, c'est un truc comme ça, et on va essayer de jouer en espérant qu'il n'y ait pas de la pluie, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de la pluie, malgré le ciel nuageux. Voilà. Wow. Un mot à dire, ton carbu. Ma banane a grossi. Parce qu'on est des influenceurs, comme Malo. Comme Malo Medef. Si vous vous ennuyez chez vous, abonnez-vous au compte Instagram de malo.mdf, fan club officiel. Ouais, on a fait meilleur. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce alors, qu'on fait? On mange des curry. On mange. Ah ouais. En fait, on a fait un premier set là-bas, donc pas loin de... La... J'ai oublié le nom. Pour quelque chose. Pour... Confessionnam. Confessionnam, voilà. Exactement. Donc on s'était mis en gros, il y avait un peu de place. Et finalement, après le premier set, on nous a dit, si j'ai bien compris, qu'on n'avait pas le droit de jouer là. Et que peut-être que des gens appelleraient les flics et tout. Du coup, on est parti. Ouais. En fait, il y avait un panneau avec marqué... Enfin, il y avait un papier panneau... avec marqué... Je sais pas ce qu'il y a sur le papier. Interdit aux percussions, aux trompettes et aux trombones de jouer. C'est ouais, l'Allemagne. Non, on aurait pu jouer avec la moitié de la fanfare, mais ça aurait une autre gueule. Je peux vous faire une petite tour de Berlin. C'est vrai que là, pas de il y a la Spree, c'est la rivière de Berlin. Là, il y a le Dom. C'est un bâtiment très grand. C'est une cathédrale. C'est une cathédrale, j'imagine. C'est la cathédrale. Mais c'est une cathédrale. Et là, l'autre direction, il y a le Fernsehturm. C'est la tour de télévision. Voilà. 368 mètres de hauteur. Alors, donc pour résumer, on avait déjà fait 4 sets en tout, dont 3 pas ici, et on vient d'en faire un ici. Et en gros, on était prêt à en faire un dernier. Même Bison voulait bien rejouer. Sauf qu'il y a 3 flics qui sont venus nous dire qu'on n'a pas le droit de jouer sur Alexanderplatz. Et comme on était déjà un peu fatigué et qu'en plus il est 19h, bah. Peut-être prendre une glace. Peut-être. Voilà. Et sinon, on rejouera un autre jour. Coucou. On est arrivé à notre nouveau appart. C'est Anya, c'est une inconnue. Et elle est en vacances à Lyon. Et c'est incroyable, mais elle nous laisse son appart. Et voilà. C'est très beau. Pour combien de jours? C'est pour 4 jours. Waouh. Il y a une guitare, vous êtes content, il y a une guitare. Bonjour la France, je vous présente le finissage de notre troisième puzzle 1000 pièces de la césure. Et accessoirement, deuxième de la journée. Oui, donc on a fini entièrement à... À zéro exception près. À zéro exception près, nous l'avons tenté. Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de quantité de stock. Vous l'avez chez vous?